Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va allumer le gaz pour commencer. Chapeau. Sans que t'as fait ça toute ta vie, toi. Alors, en fait, y a rien à faire. T'as coupé les oignons, t'as coupé le persil, ouais, t'as coupé l'ail. On peut en éplucher un en plus. Après, hein, je sers moins. On n'hésite pas sur le beurre salé. Chez moi, je peux faire cette recette avec des palourdes grises. Pareil. Peu importe. Mais comme on irait jusqu'à la palourde grise, au prix que ça coûte... Elles sont beaucoup plus chères. Ah oui, il faut compter 4 fois... Ah ouais. Ah oui, oui. Mais qu'est-ce qui explique que celles-ci soient beaucoup moins chères? Elles sont moins bonnes? Parlons franchement. Pour nous, c'est son meilleur. Ah oui? Elles sont meilleures et elles sont moins chères. Bah, dommage de se priver. Mais moi, excuse-moi, mais je veux bien les acheter, les palourdes roses. Les palourdes roses. Mais je ne les ai jamais vues sur l'étal de mon marché. Il n'y a pas assez de demande, donc les poissonniers ne vous en commandent voilà, pas. En voilà. Dehors de le la produit région n'est pas de, connu de pêche. Et le temps de faire connaître un produit. Mais en même temps, c'est pour ça que je suis là. Hein. Bah ça. Voilà. En fait, la vérité, c'est que comme ce sont les meilleurs, vous voulez garder pour vous. Exactement. C'est ça. Pour parfumer notre persillade, nous faisons revenir un peu d'oignon émincé et de persil haché. Comment t'appelles cette recette? Bon, à la marinière, c'est tout simple. C'est comme les moules alors? Voilà, comme les moules. Parce que tu vas mettre du vin blanc? Voilà, je vais mettre du vin blanc. D'accord, attends. Je vais pas on fait réduire un peu. Ouais. De façon à ce que l'oignon cuise bien. Attends, parce que je vais essayer de faire rempart de mon corps pour que le vent n'atteigne pas la flamme. On dirait à Julie de mettre les palourdes. Eh ben voilà, voilà. Ah, on va lui dire. Voilà. Allez, vas-y, ma grande. Vas-y, Julie. Balance. On remue un peu. Alors là, il faut faire ça à feu vif. Hein. Ah ouais, ouais. On couvre. Et voilà. Pour voir la vie en rose comme Alain, pour 4 personnes, nous prendrons 2 kg de palourdes, 1 oignon et demi, 2 gousses d'ail, un petit bouquet de persil, 2 verres de vin blanc sec, 150 g de beurre salé, pas moins, et du poivre. À peine 5 minutes de cuisson suffisent aux palourdes pour s'ouvrir. C'est au chaud, sous la véranda, à l'abri du vent, que nous décidons de savourer nos coquillages. C'est bon, c'est fin.